Bonjour à tous, c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le petit calendrier de l'Avent qui se poursuit. Et nous sommes arrivés à la fenêtre numéro 21. Ça se rapproche. Je ne sais pas, il y en a plein qui me disent, qui m'envoient des messages en me disant « Elisabeth, il est génial ton calendrier de l'Avent, merci beaucoup, etc. » Même si je ne réponds pas, je lis vos messages, donc c'est très gentil, merci beaucoup. Il y a des personnes qui me disent « Mais Elisabeth, comment on va faire après ?» Puisqu'on s'habitue finalement à avoir une petite vidéo tous les jours. Comment on va faire après? Ben, je sais pas. Je sais pas. Vous allez les re-regarder. Voilà, pourquoi pas. Aujourd'hui, fenêtre numéro 21 avec Cécile et avec Nathan, puisque ben, vous avez tous les deux posé des questions concernant les fameux chasseurs de fantômes qu'on trouve un petit peu partout maintenant sur YouTube, sur Internet, etc. Et donc, vous m'avez posé tous les deux des questions là-dessus, donc je vais essayer de répondre. Essayer, bien sûr, parce que... Comme je le dis à chaque fois, mais une fois de plus n'est pas coutume, j'expose ma vérité et non pas la vérité. Donc libre à chacun, bien sûr, de croire en ce qu'il veut, ça ne me dérange point. Nathan me disait, j'aime beaucoup regarder les épisodes de Chasseurs de fantômes, en général, donc c'est-à-dire que tu regardes plusieurs enquêteurs, et tu me disais, toi, tu en penses quoi? Alors tu sais, Nathan, j'en ai déjà parlé dans des vidéos antérieures, notamment dans les vidéos foire aux questions, je crois, où je parlais souvent des enquêteurs, j'ai du mal avec le terme chasseur, parce que des fois, chasseur, t'as l'impression qu'ils vont chasser des esprits, un peu bizarre, mais les enquêteurs, on va dire, du paranormal, hein, pour parler en général. Je pense que sur YouTube, ben, il y a des surprises, hein, quand tu regardes un petit peu, tu survoles, tu te dis, oulala, oulala, donc voilà, il y a à prendre et à laisser, je te dirais, comme dans toute chose. Après, ce qui m'étonne beaucoup, c'est le manque de documentation, finalement, de ces personnes-là, c'est-à-dire que je peux comprendre que le paranormal, c'est passionnant, ça fait peur et tout, donc les gens s'y intéressent. Mais par contre, je suis surprise qu'il n'y ait pas une approche beaucoup plus, comment je te dirais, beaucoup plus rigoureuse, beaucoup plus sérieuse de ce domaine-là. C'est ça qui fait du tort en plus. Enfin, je suis tombée sur des vidéos des fois où je me suis dit, mais c'est une blague, enfin, je pense que le... Je pense qu'il le fait exprès. Enfin, je veux dire, arriver à un tel degré de conneries, ça peut être que pour déconner, quoi. Et quand tu lis les commentaires en dessous, tu vois les gens qui y croient, tu te dis, non, mais sérieusement, les mecs. Sérieusement. Donc voilà. Après, il y a des personnes que j'aime regarder pour leur qualité d'enquête. Tu vois, quand il y a l'investigation, le côté historique aussi, où on découvre des lieux, on découvre le patrimoine, etc. Ça, je trouve ça super intéressant. Donc, c'est vrai que en la matière, tu as quand même Gus DX qui propose, je dirais, un vrai programme avec une qualité presque télévisuelle. Enfin, je veux dire, c'est très plaisant de regarder son travail parce que tu te rends compte que là, pour le coup, il y a un réel travail d'investigation, de recherche, etc. Il y a un réel sérieux aussi dans l'enquête. Il est toujours très rationnel, donc il essaie toujours de relativiser par rapport à ce qui se passe. Donc, je dirais que c'est très intéressant. Et tu vois bien que c'est quelqu'un quand même qui est censé, qui a quelque chose dans la tête et qui a ce côté presque journalistique, tu vois. Une approche quasi journalistique. Très bonne qualité de programme. Après, bah, c'est dommage parce que des fois, moi, je regarde des enquêtes et je vois plein de choses. Et puis, ben lui, il ne le voit pas, forcément. Donc, ce que je trouve très dommage, tu vois, c'est qu'il n'y ait pas ce côté médium, justement, dans les enquêtes. Quelque chose de vraiment très rigoureux, d'officiel aussi, hein, pas des lieux comme ça qui sont visités... sans autorisation, etc. Enfin, là, on sort complètement du cadre, mais c'est très dommage, tu vois, que une personne comme GusDX qui fait des enquêtes qui sont vraiment très sérieuses, très rigoureuses, officielles, etc., n'ait pas une approche de la médiumnité, je dirais, beaucoup plus sérieuse et qui viendrait en complément de son enquête. Tu vois, ça serait vraiment très intéressant, à mon sens, bien sûr. Ensuite, tu as aussi le grand JD que j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est drôle en plus, je trouve qu'il a une approche
Il est assez plaisant à regarder. Lui aussi, hein, je crois que c'est un journaliste en plus, hein, là on joue plus dans la même cour. Mais c'est vrai qu'il a une approche très professionnelle de ses enquêtes. Par contre, je trouve que ben, il a l'air toujours très sceptique. Donc je ne sais pas si lui-même a eu un jour l'occasion de vivre quelque chose de paranormal. Ou si, enfin, j'ai pas tout vu, hein, j'avoue que j'ai pas regardé toutes ses vidéos, j'en ai vu que quelques-unes. J'aime beaucoup son programme, c'est court en plus pour le coup, donc ça passe vite. On s'ennuie pas, il y a une bonne dynamique dans ce qu'il fait, donc je dirais au niveau télévisuel, encore une fois, c'est super ce qu'il fait, c'est super. Mais par contre, c'est vrai qu'il a un côté hyper rationnel, on se demande, mais est-ce que toi un jour t'as vécu quelque chose de paranormal au final? Je ne sais pas. Donc là encore, ça serait peut-être intéressant de visiter des lieux avec des médiums ou avec, je sais pas, d'autres personnes, mais qui pourraient apporter quelque chose de particulier ou une vraie valeur ajoutée, voilà, à leur programme pour justement exploiter le paranormal par le biais de la médiumnité ou par le biais de personnes qui peuvent avoir des clairsentience, des clairvoyances, etc. Donc apporter quelque chose à un programme. Et peut-être même leur faire découvrir, tu vois. Peut-être même découvrir du coup une certaine ouverture, avoir un éveil. Non pas qu'on essaie de convaincre, c'est pas le problème, mais tu vois, je trouve que tu as le côté journalistique d'un côté qui est vraiment dans l'investigation, qui fait des belles prises de vue, des beaux lieux. En plus, le Grand JD, il montre des lieux qui sont absolument fabuleux. Il va partout dans le monde et tout ça, c'est quand même, c'est très bien, c'est un bon programme, c'est sérieux. C'est super. Maintenant, est-ce qu'une approche justement par des professionnels, des parapsychologues, etc., ça serait quand même aussi très intéressant. Donc, à voir. Voilà, Nathan, ce que je peux te dire. Donc, je regarde effectivement le Grand JD, je regarde aussi l'UDX, et je regarde aussi Rémi, hein, je ne sais jamais, je ne me souviens jamais, JRM Paranormal. C'est ça. Voilà, on s'est même envoyé des petits messages des fois, et ça m'a fait bien plaisir. Donc, s'il regarde ma vidéo, je lui fais un petit bisou en passant. Voilà, ça c'est les personnes que j'aime bien. Après les autres, c'est un peu plus compliqué. Enchaînons, comme disait ma grand-mère Nafoman, au suivant. Donc voilà, ensuite on va parler, donc c'est Cécile, je crois, qui m'a posé cette question et qui me disait, je voudrais savoir ce que tu penses de la Ouija, ainsi que de la Spirit Box, qui est, on va dire, communément employée dans les enquêtes, comme ça, les enquêteurs paranormaux, les enquêteurs du paranormal. La Ouija, bah écoute, je suis pas une grande fan. Alors, je suis pas une grande fan. Pourquoi? Bah parce que quand je constate, tu vois, les effets que peuvent avoir justement les expériences du spiritisme comme ça, que je dis toujours que ce sont des pratiques sauvages, c'est-à-dire que c'est pas encadré, c'est pas. Souvent, les gens se basent sur ce qu'ils ont vu à la télé ou ce qu'ils ont vu dans une série pour pouvoir se lancer dans un exercice comme ça. Et bah forcément, il y a des effets très négatifs derrière qui peuvent entraîner des pollutions auriques, des pollutions astrales, des pollutions. Enfin voilà. Tu ouvres une porte en fait quand tu fais du spiritisme. Il faut toujours. Cette image-là, elle m'a collé à la peau depuis des années, mais tout exercice de spiritisme ouvre des portes et tu ne sais jamais qui est derrière. Donc tu vas toujours avoir une entité qui va se présenter comme étant le grand-père, l'arrière-grand-mère, le grand-oncle. Enfin, voilà, c'est toujours comme ça. Au début, c'est mignonnet, c'est mignon, on a des réponses. Oh là là, c'est incroyable. Et puis, ben, après, finalement, c'est toujours après que les problèmes commencent. Donc, que ce soit la Ouija, que ce soit l'écriture automatique, que ce soit des pratiques comme ça, attention, 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 attention. Après, faut aussi voir le côté un peu spectaculaire, hein, tu vois. Je pense que dans plusieurs vidéos, on essaie de mettre en avant des phénomènes, etc. pour justement essayer de dire, vous avez vu, on a filmé un fantôme, on a filmé une entité, on a parlé avec Dieu, on a parlé machin. Donc, quand on est bien rationnel, on redescend déjà de quatre paliers, hein, et puis on se dit que bon, bah, la Ouija, pourquoi pas, mais c'est vraiment très dangereux et ça peut avoir des conséquences très lourdes. Donc je dis toujours aux gens, ne commencez pas à faire du spiritisme. Après, je suis assez logique. Quand on dit à quelqu'un, ne fais pas ça, qu'est-ce qu'il fait? Il le fait. Mais par contre, ça me plairait. Alors je ne sais pas comment, je ne sais pas comment, je ne sais pas tout ça, mais ça me plairait peut-être un jour de tenter une expérience avec la Ouija pour voir comment ça peut fonctionner, comment on peut avoir des réponses et comment on peut utiliser cette fameuse planche. Mais c'est un projet, mais pour l'instant c'est pas concret. Un jour peut-être, mais pas maintenant. Et je me documenterai bien évidemment sur ces pratiques-là avant pour ne pas m'attirer d'ennuis.
Concernant la spirit box, bah écoute, la spirit box, j'y crois pas trop. Je te dirais. Là, je pense plus à des synchronicités ou à des choses comme ça. Je crois beaucoup plus à la TCI, tu vois, les enregistrements de PVE qu'il peut y avoir sur une bande. Enfin, en enregistrant une bande sonore, etc. Là, oui, je crois effectivement à la TCI, mais la spirit box, j'y crois pas une seconde, en fait. Je pense que ce sont de heureuses synchronicités qui font qu'il y a des réponses. Mais j'ai un petit peu du mal à croire en ça. J'ai aussi je donne aucune crédibilité aux applications que vous pouvez avoir sur les téléphones. Vous savez, vous avez des applications comme ça pour les fantômes, machin. Est-ce qu'il y a un fantôme à moins de 5 mètres de toi, etc. Ça, moi, j'y crois pas une seconde. C'est une application. Non, parce que sinon, dans Farmville, j'aurais collecté, je sais pas combien d'épis de blé aussi, toi. C'est une application, c'est un divertissement. Voilà, ce n'est pas, il n'y a aucune crédibilité à ce genre d'application. Ensuite, Nathan m'a posé une autre question. Il me disait, mais est-ce que c'est pas dangereux finalement d'essayer de venir dans un lieu comme ça et de perturber une personne ou une énergie qui serait stockée, entre guillemets, tu vois? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir un danger? Et Cécile, elle rebondissait un petit peu sur la même question. Elle disait, est-ce que c'est pas dangereux finalement de vouloir à tout prix rentrer en contact avec une entité? Donc, aller dans un lieu comme ça, comme le font les enquêteurs, pour pouvoir essayer justement d'avoir un contact avec une entité. Bah, si c'est une entité intelligente, il y aura peut-être quelque chose, effectivement, mais l'entité intelligente, elle n'a pas forcément envie de discuter, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Bah, imagine-toi que tu es tranquille dans ton canapé chez toi et que tu as deux mecs qui se pointent et qui te demandent de partir, ou qui ont envie de te chasser en disant on est des chasseurs de fantômes et maintenant on va te chasser. Tu vas peut-être mal le prendre, non? Enfin, je vois. Moi, je le prendrais pas super bien. Donc, je pense qu'il y a aussi, justement, encore une fois, tu vois, ce manque de documentation, ce manque de recherche, donc ce manque de connaissances, fait que, ben, forcément, c'est un petit peu de la bidouille, quoi, chez les enquêteurs. Tu vois, quand tu connais vraiment le monde subtil, quand tu as cette ouverture, quand tu as ces visions, quand tu as cette capacité de voir et de percevoir, de l'extérieur, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Donc, vouloir à tout prix rentrer en contact avec une entité, non. Ça, c'est même pas la peine. De toute façon, une entité qui veut pas te parler, ne te parlera pas. Hein. C'est même pas la peine. Hein. C'est pour ça que la médiumnité est quand même très compliquée, parce que c'est jamais garanti. Des fois, on a des réponses, des fois, on n'en a pas. Des fois, quelqu'un veut parler, des fois, il veut pas. Il faut comprendre qu'une entité va conserver quand même, pendant un certain temps, son caractère. Donc, une personne qui, de son vivant, était assez timide, assez renfermée, une personne va venir en consultation pour me demander un contact avec elle, c'est même pas dit qu'elle a envie de le faire, quoi. T'auras pas de réponse. Par contre, si tu tombes sur quelqu'un qui est très bavard, qui aime bien communiquer, qui va, là, effectivement, on va peut-être avoir plus de réponses. Mais c'est très subtil, encore une fois. C'est assez subtil et je conçois tout à fait que ce soit un peu flou pour tout le monde, mais. D'aller dans un lieu, d'y entrer, de manquer de respect, d'être parfois même dans la provocation, dans ce genre de choses, je trouve ça pas très sain. Et souvent, c'est juste au profit de faire quelques vues, de gagner les abonnés. Peu importe ce qu'on fait, de toute façon, ce qui va compter, c'est d'avoir des vues et de faire un peu le buzz. Les gens adorent ça. Donc, c'est ça que je trouve très dommage. Voilà. Voilà. Mais ne pas forcer les choses, jamais, être toujours respectueux, oui. Et ne pas aller chercher des problèmes, parce que je me dis des fois, il y en a, ils ont pas peur, hein, les mecs, hein, quand même. Hein. Dernière question avec Cécile qui disait, et si on tombe sur une entité malveillante, est-ce qu'elle peut s'en prendre à nous ou à notre entourage familial, amical, etc. Oui, pourquoi pas. C'est-à-dire que tu peux très bien te coller une entité. On va prendre un exemple, Cécile, tiens. Prenons un exemple. J'aime les exemples. Admettons, Cécile, tu vas visiter quelqu'un dans un hôpital, pourquoi pas, tu vas prendre des nouvelles de quelqu'un qui est hospitalisé. Tu vas aller dans un hôpital. Un hôpital, c'est quand même un lieu où il y a énormément d'énergie qui se balade, parce que forcément, c'est un lieu qui est chargé. Donc, t'es pas à l'abri de te coller quelque chose sur toi.
D'ailleurs, très souvent, les gens, quand ils sortent des hôpitaux, ils se disent, oh là là, donc, qu'est-ce que c'est lourd comme ambiance, et j'ai l'impression que, pouh, voilà. Ben, tu peux te coller une énergie comme ça qui vient sur toi, et puis tu rentres chez toi, parce que voilà, tu fais ce que tu as à faire, ton tripot, machin. Ton mari rentre le soir, il a plus d'énergie que toi. L'entité, elle va faire quoi? Elle va te laisser tomber toi et elle va aller sur ton mari. C'est possible, ouais, effectivement. Le principal, c'est qu'elle trouve de l'énergie, donc peu importe sur qui, peu importe sur quoi, peu importe comment, il lui faut de l'énergie. Donc si c'est en passant par le biais de quelqu'un d'autre, oui, effectivement. Et de toute façon, je te dirais que quand on fréquente des lieux comme ça, tu as beaucoup de jeunes aussi qui font de l'urbex, qui m'ont eu contacté aussi par le passé. Mais quand tu vas dans des lieux qui sont potentiellement chargés en demandant en plus d'avoir des réponses, c'est-à-dire que tu invites les entités qui sont présentes à se manifester, bah forcément, une fois que tu as demandé, tu peux pas leur en vouloir de te donner des réponses. Donc c'est là la subtilité, c'est que quand on connaît un petit peu, quand on a des connaissances dans ce domaine-là, on sait qu'il y a des choses à faire, d'autres qui ne sont pas à faire. On sait que quand tu poses une question, il faut faire silence, il faut plus rien demander, parce que quand tu as une réponse, c'est formidable, faut pas en attendre 10. Il y a plein de petites choses comme ça qui sont importantes et qui justement sont négligées par toutes ces personnes-là, et c'est ça qui est très dommage. Donc au final, tu vois, pour conclure, pour vous deux d'ailleurs, parce que vous étiez deux à me poser des questions, je pense que si ces personnes-là avaient ne serait-ce qu'un tout petit peu de connaissances dans le domaine ésotérique, paranormal, spirituel aussi, je pense, ça serait vachement plus intéressant de regarder une émission. Toi, il y aurait un vrai point de vue, un point de vue image, son, qualité de programme, investigation du lieu. Peut-être un complément avec un médium ou un parapsychologue ou quelqu'un qui creuse vraiment dans ce domaine-là. Et là, ça serait vraiment très complet, donc très intéressant à regarder. Voilà, je vous remercie tous les deux de m'avoir posé cette question. Je vous souhaite un très bon samedi et je vous dis à demain pour la fenêtre numéro 22. Merci beaucoup, à bientôt.